Romain Galibert qui sera l'arbitre central de cette rencontre entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et le Pau Football Club. L'ancien Boulonnais qui va être servi parfaitement et trouvé derrière lui, Kevin Sonny. Sonny sur son pied gauche, le centre-tir de Sonny, il est détourné là par Florian, le jeu court est derrière. Un petit peu de mouvement dans la surface de réparation, la claquette d'Anthony Beuve, la reprise derrière. Allez, c'est sortant, ce corner de Blondel, la tête de Le Joncourt à côté. C'était Benet, pardon. Lyonnais avec Sheriff Kenoum. Kenoum qui accélère, Kenoum qui percute, et Kenoum qui obtient un coup franc. Un seul joueur dans le mur. C'est rentrant, la tête, attention, c'est pas terminé, le ballon dans la surface de la butte. L'ouverture du score de Jesse Benet en faveur de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Blondel qui va changer de côté, c'est bien vu ça, vers Ibrahim Sangaré dans la surface de réparation. Sangaré sur son pied droit, qui va frapper, c'est repoussé, pas terminé, Mayoulou qui ne peut frapper, la frappe cette fois de Mayoulou. Juste à côté de la cage de Florent Mendivé. Palette pour trouver Gbizier à ses côtés, sur la gauche il y a Sonny, il va y aller tout seul, Gbizier, la frappe de Gbizier. Capté par Anthony Beuve. Récupération Oswald qui va à nouveau botté loin devant. C'est un petit peu dommage là de botté parce que c'est compliqué pour Rivas d'aller récupérer. Mais il va le faire finalement au Cercle Montois. Et il y a une faute, c'est un pénalty. C'est un pénalty logiquement sifflé en faveur de Pau. Kevin Sonny face à Anthony Beuve. Sonny du pied gauche, c'est l'égalisation. Contre-pied parfait de Kevin Sonny. Pau qui revient au score. Un but partout entre Avranches et Pau. Auric Bizier qui va armer pied gauche, c'est contré par le mur, c'est capté par Anthony Beuve derrière. Vigilant le portier avranchinet. Sonny, le centre au deuxième poteau vers la place Palette dans la surface de réparation. La place, le centre qui ne trouvera personne. Rivas, la fond de Rivas. Capté par Anthony Beuve. S'exécuter au coup franc, c'est frappé directement. La barre transversale de Florent Mendivé touché par Jonathan Klaus. Bizier est au corner, du pied gauche au deuxième poteau, le ballon n'est pas renvoyé. Malaga, la frappe de Malaga, captée en deux temps par Anthony Beuve. Le Joncourt qui va écarter vers Klaus, le bon tacle de le Poulichet. Il y a une faute. Et ça va être le rouge direct, ouais, le rouge direct pour Yann Le Poulichet. Tillon dans le camp avranchinet. Et voilà cette rencontre qui est terminée entre Avranches et Pau, un but partout.